dessein demain. C'est une pépinière pour la ville de Kisangani et pour toute la province. Nous pensons que demain, ces jeunes gens vont nous défendre, vont défendre le Congo. Et nous demandons aussi à la diaspora congolaise de soutenir cette action. Nous vous disons aussi merci pour les lots qu'on a envoyés déjà pour notre école de football de Kisangani. Nous pensons que ces gestes de solidarité vont nous aider pour que nous puissions aller de l'avant. À tous, vous de l'Europe, de Kinshasa et partout au Canada, aux États-Unis et en Europe, nous vous disons bravo pour les gestes que vous avez envoyés à l'école de football Kisangani. Nous pensons que prochainement, vous allez faire quelque chose pour nous. Oui, alors la Coupe des filles, bon, par exemple, le vainqueur de ce match ce soir, je pense que ça va être les Congolais, nos amis congolais, puisqu'actuellement, il y a 3-1 et puis nous ne sommes pas encore à la mi-temps. Donc, j'ai vu que cette équipe était très bonne. Donc, je donne un petit clin d'œil au sélectionneur de l'équipe du Congo qui vient de jeter un petit coup d'œil sur ces joueurs qui sont en Europe et principalement aussi à Genève, pourquoi pas, puisqu'il y en a un ou deux qui sont très, très bons. Et croyez-moi, je connais un peu le milieu. Et je pense que donc après cette coupe des filles, c'était le but de réunir justement ces continents amicalement, sur le plan amical, et découvrir un peu d'autres cultures, etc. Et puis moi, bon, c'est vrai que j'ai toujours aimé mes amis africains, donc c'est pour ça que j'ai porté en priorité mon choix sur une équipe congolaise. Mon cher Jean-Pierre Onema, je voudrais d'ailleurs profiter de ces instants pour vous rendre hommage, parce qu'on ne le fait pas assez dans notre pays. Vous savez, quand quelqu'un est là en train de servir la République, j'ai l'impression que nous attendons qu'il ne soit plus là pour pouvoir rendre hommage à son travail. Moi, je profite pendant que vous êtes là pour vous dire que ce que vous faites est bien pour notre pays. Voilà. Vous avez choisi d'être ici en Europe afin de couvrir toutes les actions, toutes les activités des acteurs congolais qui viennent en Europe au nom effectivement de la coopération, au nom des relations que nous devons établir avec le pays amis, des partenaires, des pays partenaires, et vous êtes là pour couvrir positivement, dans une approche tout à fait patriotique, ces activités-là. Donc je crois que vous êtes suivi chez nous en RDC, à Kinshasa et dans toutes les provinces, via la RTNC, et je pense que c'est une bonne chose. J'ai tenu donc à M. Onema à vous encourager de poursuivre ce travail qui est un travail positif, c'est très important. Donc continuez comme ça, messieurs Onema. Bravo. Na lalita butwa lelo, mabanze ke musika e, nzoto nyonso e ko lenga lenga. Na la muka na talibana na bandi pe aveni, yenge mokili e ko bongwa na kamwe. Na tuni na bakoko, bakulutu baloba. Yenge nini na kosala Zambe wanga na kosenga na yo batelanga bana Bakola bako mabato C'est vrai ya solo nandimiye mokili pasi Mawa Yena kanisi majeko Nalobako nini nga mama yele masilie Nalukako na bendana ayoleli mama oh, oh. Nakolela na konseba mama oh 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 pona veni ya bana Majigo Papa Richa C'est vrai ya solo nandimiye mokili pasi Mawa na kanisi Majigo Naloba konini nga mama yele masilie Kona bendana Ayoleli, ayoleli Mama Oh, oh, oh Mokili pasie C'est une demande que nous avons reçue d'une école de foot du pays, de Kisangani précisément,
suite à nos actions que nous faisons ici, à l'encadrement de Union Urbana Genève, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc il y a une émission Eco-Europe, je pense, qui passe à la RTNC avec M. Onema, qui était venu nous observer dans nos activités et qui a fait passer justement une des activités au pays. Et puis là, c'est là que le promoteur d'une école de foot a pris nos coordonnées et il a contacté le secrétaire général qui a fait part de cette demande-là. Ça s'appelle comment ? Alors l'école de foot s'appelle École de foot de Kisangani. Et les promoteurs, ils s'appellent Alphonse Baïa Mubinjo. Je pense que je n'ai pas écorché son nom. Et du coup, depuis lors, on a tenu des contacts avec lui. Il y a eu le Covid qui est passé, qui nous a un peu éloignés des contacts. Après le premier confinement, il est revenu à la charge. Le temps que nous puissions accéder à sa demande, on avait tout à fait accédé, mais on n'avait pas non plus de moyens pour le faire. C'est pour ça que ça a pris un peu de temps. Nous voici à l'école de football de Kisangani. Nous sommes à Kisangani, commune Kabondo, quartier Basakata, 15e transe numéro 251. Et aujourd'hui, nous vous présentons en quelques lignes l'école de football de Kisangani. Merci. Oui, nous, membres de l'école de football de Kisangani, cette école est située au 15e transe numéro 251. Dans le quartier Basakata, commune Kabondo, dans la ville de Kisangani. Nous remercions également notre représentant William Ngim, qui est notre représentant au niveau de l'Europe. Nous disons merci pour les efforts. Et toute la communauté diaspora, de façon où la communauté de se mobiliser pour que nous puissions recevoir ces colis. Et vraiment, grand merci à Bana Genève, en Suisse. Nous disons merci à cela. Et nous disons aussi merci à notre vaillant combattant Jean-Pierre Onema de Eco d'Europe. Chaque fois que nous suivons cette émission, nous sommes fiers de ce que les Congolais font à l'étranger. Et nous disons merci. Nous voulons que cette campagne puisse continuer pour que toute la communauté, à travers Eco d'Europe, et nous puissions gagner de temps en temps des Congolais de la diaspora qui peuvent nous aider ici. À tout ce qu'on nous disons merci et nous pensons que bientôt vous allez nous mobiliser pour que nous puissions recevoir des dons qui vont appuyer notre école et ensuite des dons qui feront que on peut construire, il y a des infrastructures que nous pouvons mettre sur place, mais nous sommes jetés les premiers dans l'eau pour commencer. Il faudrait commencer quelque chose quelque part au Congo. Et c'est ainsi que nous sommes jetés les premiers dans l'eau. Nous pensons que notre demande sera écoutée par Bana Genève et à travers les codes d'Europe. De quoi est-il composé, ce don ? Alors, ce don est composé d'une récolte que nous avons faite. On a eu des bons donateurs qui nous ont donné des maillots. Parce que c'était principalement ça qui avait été demandé. Ils nous ont donné des maillots pour... voilà. Et c'est ça qu'on compte justement faire parvenir à l'école de foot de notre, qui se trouve à Kisangani. C'est environ 4 cartons de maillots, shorts et bas. C'est vraiment un bon nombre. Comme vous le voyez, il y a le bas, il y a les maillots. Différents types. Il y a 4 cartons. Vous parlez de 4 cartons, nous parlons d'un jeu de maillots qui est composé d'une équipe entière. 4 cartons, ça signifie pour nous 4 jeux de maillots, de 22 maillots, bas compris, avec le composant qui va avec et qui fait que nous sommes. C'est un bon petit lot
et qu'on doit expédier. Alors évidemment, il faut expédier. Donc, est-ce que vous avez des frais d'expédition à disposition? C'est justement une des notre raison principale d'être là, parce qu'en fait, on est une association qui n'a vraiment pas des moyens de fonctionnement. On nous vient en aide par rapport aux activités que nous initions. Mais là, pour l'instant, avec la période que nous traversons, on a un problème de mobilisation des fonds. C'est pour ça que nous nous présentons devant vous. S'il y a moyen, on lance un appel, c'est vraiment un appel. On lance un appel à toutes les personnes qui peuvent nous aider. Les maillots sont là, mais nous manquons de moyens pour le faire parvenir jusqu'à Kisangani. Vous connaissez bien notre pays, comment il fonctionne. Et cette expédition-là nous coûte vraiment un peu de sous et nous demande à ce que tout le monde mette la main dans l'assiette pour que les enfants bénéficient de ces beaux cadeaux que nous avons reçus. De Genève jusqu'à Kinshasa, de Kinshasa jusqu'à Kisangani, lieu de destination de notre lot de varèzes. Donc ça demande un peu beaucoup. Et nous pensons qu'en lançant cet appel, nous aurons un retour vraiment probant qui va permettre à ce que nous puissions d'abord dans un premier temps faire parvenir ces lots-là qui fera, je crois, le bonheur de beaucoup d'enfants de cette partie de notre pays. Après, une fois que le lot sera arrivé, nous ferons évidemment le retour comme on le fait pour vous dire, pour vous montrer qu'il est réellement arrivé et que les enfants... ils bénéficient déjà de ces lots-là. Nous vous ferons toujours un retour. C'est comme ça qu'on fonctionne, en fait, au niveau de l'UBG. Alors, Union Banagenève, est-ce que vous pouvez nous présenter cette association? Alors, l'association Union Banagenève est né du centre de plusieurs associations qu'il y avait avant ici à Genève, essentiellement des associations socioculturelles. Donc après, nous avons constaté qu'elles fonctionnaient que sur une période donnée, notamment des périodes estivales, et nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on formalise l'histoire pour qu'il y ait des structures vraiment bien posées comme dans d'autres communautés pour que nous ayons quelque chose de valable pour nous représenter. Donc elle est basée essentiellement sur l'activité sportive, principalement le foot dans un premier temps, c'est qu'en évoluant. Donc nous sommes nés le 29 janvier 2011. Bon, ça fait près de 10 ans qu'on va exister. On a fait plusieurs activités basées sur l'intégration du sport. Parce qu'on a remarqué que, notamment, nos communautés africaines, ici à Genève spécialement, étaient un peu dispersées pendant la période estivale et qui manquaient un peu d'encadrement dans ces sens-là. C'est pour ça qu'on a mis l'association en place pour essayer de formaliser tout ça. Et finalement, sur le terrain, vous faites quand même beaucoup d'activités, notamment participer à des tournois de football et en organiser aussi, notamment le tournoi du 30 juin. Alors, sur le terrain, on fait beaucoup d'activités, comme vous avez dit. Maintenant, nous sommes axés sur deux, trois activités principales. On organise ce que nous appelons, nous, l'Ipanda Goal. C'est compte tenu des origines de l'Union Banagenève, qui est essentiellement de la République démocratique du Congo, ou disons de la communauté lingalaphone. Donc on se base sur ça, on organise l'Ipanda Goal. Qui a lieu en, au mois de juin, pendant la période de la date de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Ça peut bouger selon les contextes et comment ça nous trouve. Donc on invite les différentes équipes de différents cantons, même de la France voisine, qui viennent et on se réunit pendant cette date-là. Et principalement, on a trois activités pendant cette date. Il y a d'abord, on commence par une conférence, débat sur l'intégration du sport généralement. On invite plusieurs personnalités du monde de sport qui viennent nous parler aux jeunes pour l'intégrer dans ce sens-là. Après, il y a le tournoi lui-même à proprement dit, qu'on fait sur une journée avec les différentes équipes et d'autres communautés. Hein. Il n'y a pas que la communauté lingalaphone qui participe. Après, dans la soirée, on a une soirée culturelle où on partage certaines activités culturelles, notamment
la musique et puis on associe d'autres activités. Mais je suis très heureux d'apprendre que c'est vrai que je sais qu'à Genève d'ailleurs il y a des bulas qui sont congolais. Voilà. Alors c'est un honneur pour moi, c'est peut-être pour ça que j'ai pensé à l'équipe du Congo, hein, UBG, pour venir faire ce match de Coupe des filles intercontinentales. Alors le motif. Alors le motif, oui, il y a plein de motifs. Il y a plein d'autres ici. Il y a plein d'autres ici. Ben, il y a aussi une liaison avec un ami qui fait partie de notre club, Marc Luangui. Et lorsque nous avions organisé un tournoi en salle de Genève, il y a 3 ans, l'équipe du BG était venue, avait créé une excellente ambiance. Il m'avait laissé une très très grande impression. Des joueurs sympathiques, souriants, donc quelque chose qui sortait un peu de l'ordinaire. Donc c'est ce qui m'a un peu fait réfléchir à ce sujet. Et quand j'ai lancé cette Coupe des filles intercontinentale, donc intercontinentale, ça veut dire une équipe africaine, une équipe d'Amérique du Sud ou du Nord et une équipe asiatique. Puis comme mon club, dont je suis le président, le FC Grand Nancy Post, est champion d'Europe en titre, et il me fallait trouver un adversaire pour lancer cette Coupe des filles. Et tout de suite, mon premier réflexe, ça a été vers mes amis congolais. Par exemple, le vainqueur de ce match ce soir, et je pense que ça va être les Congolais, nos amis congolais, puisqu'actuellement il y a 3-1 et puis nous ne sommes pas encore à la mi-temps. Donc, et j'ai vu que cette équipe était très bonne. Donc je donne un petit clin d'œil au sélectionneur de l'équipe du Congo qui vient de jeter un petit coup d'œil sur ces joueurs qui sont en Europe et principalement aussi à Genève, pourquoi pas, puisqu'il y en a un ou deux qui sont très très bons. Et croyez-moi, je connais un peu le milieu. Et je pense que donc après cette coupe. Cette Coupe des filles, c'était le but de réunir justement ces continents, amicalement, sur le plan amical, et découvrir un peu d'autres cultures, etc. Et puis moi, bon, c'est vrai que j'ai toujours aimé mes amis africains. Donc c'est pour ça que j'ai porté en priorité mon choix sur une équipe congolaise. Hein, j'aime bien la Côte d'Ivoire, j'aime bien le Sénégal aussi, mais voilà. Et maintenant, depuis un moment, l'association Union Bana Genève travaille aussi avec la commune de Vernier, où elle trouve son siège social.
Je vous avais dit qu'on avait trois activités principales. Donc la première activité, c'est celle-là, l'Ipanda Gold. Deuxième activité qu'on a mis en place avec la commune de Vernier, qui a accepté de nous donner, de nous accorder un local dans lequel nous nous trouvons principalement. On a mis en place une activité pendant l'été qu'on appelle foot et quartier. C'est-à-dire, le but, c'est d'occuper tous les jeunes de Vernier qui n'ont pas pu aller en vacances comme cela a été d'habitude et qui divaguaient par-ci, par-là. On leur trouvait une activité et pendant ces activités, on fait le foot et quartier. Il y a différents thèmes qu'on développe sur l'intégration, sur l'isolement, beaucoup plusieurs thèmes. Et puis on invite des encadreurs qui viennent parler aux jeunes pour essayer un peu de les garder éveillés pour pas qu'ils se perdent. C'est une des activités principales. Ça, c'était la deuxième. Et la troisième activité, c'est avec la ville de Genève, évidemment, qui nous soutient beaucoup aussi. C'est celle qu'on fait pendant la fête de la musique. On est vraiment présent. Ça fait un moment que la ville de Genève, les organisateurs nous font confiance. Ils nous accordent un stand pour que nous puissions récolter quelque chose afin de financer toutes nos activités. Je crois que vous avez remarqué qu'on a beaucoup, beaucoup de problèmes de financement, mais on essaie de chercher partout les gens qui peuvent nous aider pour organiser toutes ces activités-là. Et nous, comme je disais au départ, c'est pour formaliser ces activités-là qu'on a été créés. Et donc, tout est suivi pour ceux qui veulent voir qu'est-ce qu'on fait. Tout est suivi, tout est couché sur un papier, il y a des rapports, il y a tout, tout. Ça dit que je peux ne pas être là, le secrétaire général qui est Willingimbi peut ne pas être là, l'association va continuer à fonctionner parce que voilà, il y aura un fil de conducteur qu'il va trouver, pas de problème de ces côtés-là. Bonga. Au début, en fait, les activités autour du foot, mais aujourd'hui, UBG déploie ses tentacules un peu partout, ça devient comme une toile où les jeunes... En fait, les buts principaux, je vous dis, c'était l'intégration. Les mots les plus importants, c'était l'intégration aussi de la société genevoise. Vous voyez, l'intégration, c'est un peu un mot, comme j'ai dit, qui prend, qui a beaucoup des ailes, qui prend beaucoup de choses. Et nous, on a essayé un peu de le réduire au sport. Mais au-delà, le sport, c'est une activité multiple. Il faut être discipliné pour faire du sport. La discipline exige, par exemple, que l'enfant soit encadré du départ, mais déjà de l'entraînement jusqu'à le retour. C'est dans ces cadres-là qu'on s'est dit, on en reçoit beaucoup de rapports, des parents qui viennent nous voir. Ah, mais mon fils, que vous voulez, que vous encadrez, voilà, il a telle difficulté, ou même les jeunes eux-mêmes viennent. Et donc, les quelques peu de cerveaux que nous avons dans l'association, des fois, ça ne suffit pas. On va aussi chercher ailleurs pour pouvoir encadrer ces jeunes. C'est vrai, je n'aime pas trop parler de « oui, on l'a aidé à trouver un boulot », tout ça. J'aime parler qu'on l'a soutenu dans la recherche de s'intégrer. Voilà, ça peut être par un boulot ou par la rédaction d'un CV ou le recommander à quelqu'un que l'on connaît. Il y a beaucoup d'activités. Donc, du coup, on fait qu'on est une communauté qui est loin de ses bases. Et la meilleure façon de fonctionner, c'est de se souder les coudes. Donc, on essaie de faire ça. Au-delà de l'activité sportive, on fait les extras. Mais on se rend compte que des fois, les extras sont beaucoup plus importantes que l'activité principale elle-même. C'est passionnant et ça nous tient. Évidemment, quand on parle d'union, donc il y a une certaine diversité au sein de cette union. On se dit encore qu'au sein de l'Union Urbaine à Genève, aujourd'hui, c'est l'ADN, comme le dit le secrétaire général, l'ADN RDCienne, mais apparemment, l'UBG dépasse aujourd'hui les nationalités et les origines parce que on sait qu'il y a, à l'époque, un Ivoirien qui a porté le brassard de l'équipe d'UBG pendant plusieurs années. L'ADN, les RDCN, c'est-à-dire que c'est de la République démocratique du Congo. Et nous, on a élargi, on dit, beaucoup plus à la communauté lingalophone. Mais on va au-delà. Vous citez un cas de l'Ivoirien qui a porté, que je salue si jamais sur l'émission, il n'est plus avec nous ici. Nous l'avons accompagné jusqu'à son mariage. C'est important pour vous parler de cette approche un peu extérieure au foot. C'était passionnant. Donc je disais, il y a même plus parce que on va dire oui, Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique. Mais non, on a même des Brésiliens.
On a plusieurs, en tout cas, communautés qui viennent nous rejoindre, non pas parce que, voilà, nous, on est spécial, on joue bien au foot, mais parce qu'il y a cet aspect extérieur au sport qui fait que je préfère être avec eux parce qu'ils vont m'aider à m'intégrer en ceci. Je vous signale d'ailleurs que les difficultés qu'on avait, enfin, difficultés, non, c'est que le langage de nos Brésiliens qu'on avait, ils ne parlaient pas français tout de suite. Et ils nous ont dit, grâce à nous, ils ont été rapidement en contact avec les autres coéquipiers aux Français. Et du coup, ils ont commencé rapidement à balbutier les mots. Oui, on est plusieurs. On est la communauté genevoise d'abord. Parce que voilà, il ne faut pas le nier. Venant d'eux. Et on se regroupe au sein de l'Union Banane Genève. Voilà. Donc, je donne un petit clin d'œil aux sélectionneurs de l'équipe du Congo qui viennent jeter un petit coup d'œil sur ces joueurs qui sont en Europe et principalement aussi à Genève, pourquoi pas, parce qu'il y en a un ou deux qui sont très très bons. Notre émission est en présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain pour une autre émission. Tata ma passa, Pepito na RTNC2, Lilia Moana, Mama Mipendu, Ma Lilina Lisserne, Honorable Somida, adieu, ma belle sœur, Hortense Menga, Maïna Genève. Issa, Baïsso, Nabou Marché, Jean-Claude Ntingi, Nabounès, Flori, Mouvoto, Papa Prosper, du Bénin, Patiko Bangende Konangai, Saï Saï na Londres, Emma Meya, Fondation Lissalissi, Mbuta di Mbuta.